bonne saison. Une mise en jeu qui est remportée par le Phoenix. Et c'est Martial qui s'amène à la ligne rouge pour Primo. Primo remet derrière pour Ouger. Ouger remet au centre et le tir de Gendron dans la mitaine du gardien. Ce gardien des droitiers qui effectue avec beaucoup de vitesse. Là, on a réussi du côté du Phoenix à avorter l'attaque. Voilà le tir de Carbonneau, le but! Un tir de la pointe qui paraissait inoffensif, qui déjoue Saint-Hilaire. Alexandre Carbonneau ouvre la marque. Et Samuel Saint-Hilaire qui aimerait bien revoir ce lancer-là. Avant... Dégage jusqu'à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire ne réussit pas à intercepter la rondelle. Ça va jusqu'à Marcel là, qui étampe Sarrazin sur le long de la rampe. Et le tir qui a dévié dans le filet protecteur. Une lourde mise en échec. Et Marcel, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, mais... C'est au filet. Tout simplement. En effet. Mise en jeu remportée par l'Armada. Le tir, autre arrêt de Saint-Hilaire. Il passe pour Giroux. Giroux au cercle, remet à la ligne bleue pour Rondeau. La passe vers la droite, le tir, l'arrêt retourne là. La chance qu'il réussit à intercepter. Et Rondeau qui garde la rondelle. Beaucoup de vitesse derrière le filet. Dubois est avec la chance. Mais Carbonneau qui ne réussit pas à dégager. Le tir, but! Le Phoenix ouvre la marque. C'est un. Et Tommy, qui était dans le filet pour faire dévier cette rondelle-là? À qui venais-tu lancer tant d'éloges? À Olivier Dubois, oui, qui était devant le filet. Qui, je crois, a touché à cette rondelle. Visiblement. Oui, écoute. Son patin, il s'est repris immédiatement par Sarrazin. Sarrazin, cependant, jongle à nouveau avec le disque. Et attention, là, c'est le tir et le but. Erreur du Phoenix. Et soudainement, c'est 2-1 pour l'Armada. Oui. Christers Hansen, qui n'allait certainement pas rater une telle chance devant le filet, profiter du cafouillage du Phoenix. Je te dis, Hansen, Tommy. C'est, je vois, Elliot Ogonowski, finalement, qui aurait... Encore une fois, l'Armada qui intercepte et la passe devant. Ça a touché le Phoenix. Attention, est-ce qu'il y aura 3 contre 1? C'est Dubois qui s'amène. Dubois. Dubois passe. Le tir maintenant de la chance et le but! Le Phoenix qui crée l'égalité. C'est 2-2. Maverick Lachance et Olivier Dubois, deux jeunes joueurs qui nous ont fait vibrer durant la pré-saison, qui continuent tout leur excellent travail. Effectivement. Sarrazin qui sort de son territoire et s'amène à la ligne rouge maintenant. Sarrazin avec une belle feinte. Sarrazin qui déborde le défenseur. Sarrazin le tire, l'arrêt. Et ça aurait été un océan. Sarrazin qui était bien attendu par carrière. Et on réussit là. Attention, le Phoenix avec la chance freine, le tire, l'arrêt du gardien. Belle chance du côté du Phoenix. Mais Houillard là qui a vraiment fait un beau jeu. Et c'est repris, attention, par Gendron. 2 contre 0 avec Houillard. Houillard s'amène maintenant à la feinte, le tir, l'arrêt du gardien. Et le tir, encore une fois, là. De notre équipe en général. La pointe gang, le tir maintenant et l'arrêt du gardien. Bel arrêt de Gravel sur la séquence, là, en plein déplacement. C'est derrière le filet. Houillard passe pour Primo. Primo passe devant. Ça a été intercepté. Est-ce que c'est rentré? Non, ça a été, là, sous la jambière du gardien. Et l'Armada qui réussit à sortir de sa zone. Encore une fois, c'est intercepté par Lachance. Lachance s'amène sur le flanc gauche. Et le tir, l'arrêt du gardien Gravel avec la mitaine. Rondeau qui était prêt là, à décocher un lancer frappé, mais le joueur de l'Armada était plus rapide que lui. Et ça mène la passe devant l'arrêt de Saint-Hilaire. Bel arrêt sur un déplacement gauche-droite. Soir prend. Passe pour Marcil. Marcil vers sa gauche pour Rondeau. Rondeau fin de tir. Et oh! Et solidement plaqué là. Quelle mise en échec. Tapé. Ça a été jusqu'au gardien. Et la rondelle qui revient à l'Armada avec Carbonneau qui passe devant et le tir, l'arrêt de Saint-Hilaire. Arrêt important cette fin de troisième période. Marcel toujours avec la rondelle. Passe pour Rondeau qui tire. Et ça touche le poteau. Day à la rondelle dans le coin. Pour lui-même. Et sortie de zone pour l'Armada qui s'amène, attention, à 2 contre 1. Et le tir maintenant, l'arrêt de Saint-Hilaire qui n'accorde pas de retour. Un autre bel arrêt de Samuel Saint-Hilaire. Oui, deux belles séquences offensives. Des deux côtés de la patinoire, premièrement côté qui... C'est dommage pour lui, a dû jongler un petit peu avec une rondelle qui arrivait. Il était seul dans l'enclave. Et c'est repris par l'Armada à la pointe. Attention, quand le temps de lancer, le tir qui dévie, revient devant, attention. Est-ce que c'est dangereux? Le tir, on tente l'arrêt. Oui, c'est fait. Saint-Hilaire qui réussit à faire l'arrêt au son de la sirène. Et les partisans sont gâtés à l'aréna. Pour la chance qu'ils préfèrent là, devant une défensive assez agressive de l'Armada. Et Dubois s'amène. Dubois passe pour Tremblay. La fin de le tir, ça a été arrêté. Et il y aura une pénalité à l'Armada de Lainville-Boisbriand. Voilà Dubois derrière le filet. Et Sarrazin qui ne réussit pas à garder la rondelle
qui était gêné par Primo. La passe devant pour Dubois, Dubois tire. Quel arrêt de Gravel avec la mitaine et de la moutarde. Ketchup, relish, Andrés. Ouais, Tommy, il a le droit d'en mettre sur celle-là. Quel arrêt de Gravel. Quel arrêt. Et Dubois qui, encore une fois, encore Dubois devant le filet, qui se fait menaçant. Qui... Écoute, il est tout seul. Il est tout seul devant le filet. On le voit à la reprise ici au Palais des Sports. Par le défenseur qui a réussi à bloquer le lancer. 5 secondes à faire et le Phoenix et l'Armada pour le match inaugural iront en tir de barrage. Quel spectacle! Et on s'amène avec Bourque. Bourque qui tire le but! Bourque, l'Armada l'est là. La chance qui s'amène sur le flanc droit à son tour. La chance... Contre Gravel, le tir, l'arrêt de Gravel et l'Armada qui remporte ce match à l'arraché, 3-2 face au Phoenix. Malgré cette défaite, les partisans qui ont eu droit à un excellent match de hockey, Anthony. Oui, Tommy, c'est dommage pour le Phoenix de perdre un match si chaudement disputé. Mais écoute,